Coucou les amis, c'est Marjo, Marjo Diamant Painting. Aujourd'hui, nous sommes le samedi, samedi 21, je crois, mais ça doit être ça, samedi 21, et je viens de recevoir quelques colis qui viennent tous du site AliExpress. Mais moi je choisis de vous les présenter tous ces vendeurs là dans des vidéos à chaque fois uniques, voilà. Donc là, cette commande là, je l'ai reçue, vous voyez, toujours dans des sachets bulles. C'est une commande, j'ai tout retiré pour vous éviter trop de bruit, voilà. C'est une commande de chez le vendeur AB Drills Diamond Painting Store. Je vous mettrai le lien de la toile et du vendeur en barre de description. C'est une toile normalement en 30 par 40, nous vérifierons ça tout à l'heure, qui m'a coûté 11,17 €. Un peu cher pour du 30 par 40, mais on verra bien. Vous avez ici le toolkit de base, stylet, colle, barquette, stylet transparent, pailleté, pour la pince qui me sert pas, voilà. La barquette est sympa et le pain de colle est assez important quand même et opaque. Alors je vais remettre ceci là. Je vais vous montrer les diamants. Pardon pour vos oreilles. C'est fou parce qu'ils ont un peu le même logo diamant que Fio, je trouve. Faut dire que c'est un peu la même chose. Alors ici, on a une feuille de route. Je la vous la montrerai tout à l'heure. On a des diamants. Oh, regardez-moi ce sachet de diamants. Énorme. C'est du 402. Il me met AB, mais c'est pas de AB ça. Je l'ai vu tout à l'heure, diamant AB, et vous voyez, ils sont là. Diamant. Bon, la lampe me... Je sais pas si la lampe me sert, si quand même. Vous voyez. J'ai essayé de les mettre dans une barquette. Et on va prendre un... La jolie barquette qu'Alison m'a faite. Voilà. Cette barquette gorgeous de 3D Art RL. Je vous verse les diamants à vue pour que vous les voyez bien. Vous voyez? Ils sont magnifiques. Hein, ah, bien sûr, il a fallu que j'en tombe. Sur la table, ben, ça serait pas Marjo si elle faisait pas de bêtises. Hein. Hop, on y va avec les grands moyens. Alors là, il va me falloir enlever le bouchon pour pouvoir remettre les diamants. Alors, ils sont magnifiques quand même. Waouh. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres diamants? Je vais tous les sortir. Vous voyez, ils sont en sachet zippé. Très bien. Je préfère ça qu'un sachet ribambelle, mais bon. Alors.
Ben, je pense que ça sera le seul abbé. Hein. Ah non, il y en a d'autres. Hein. Il y a le blanc en diamant abbé. Magnifique. Hein. Donc celui-ci, celui-ci. Bon, ben, je vais écarter le diamant. Je vais vous montrer la toile. Bon, je vais ranger le plateau quand même. Hop là. Alors la toile, elle arrive, vous voyez, dans un enroulé autour d'un tube en mousse avec des élastiques. Elle est bien tenue. Ce n'est pas une toile, vous savez, rêche, dure. Voilà. Je ne sais pas si ça va donner grand chose. Hein. Les visages humains comme ça en 30 par 40 ans. Je vais, vous voyez, yeah. Je vais essayer de d'abord faire en sorte qu'elle reste tendue. On a ici du papier transparent, c'est un col coulé. La toile est dentelée. Je vais faire en sorte de l'arriver de l'autre côté aussi pour que ça aille mieux. Oh là là. Voilà. Je vais vous montrer ça. Alors. Est-ce que vous allez pouvoir la voir? Alors, comment pourrais-je faire pour que vous ayez le visu? Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, c'est la saison. Il fait chaud. On commence les barbecues. Oui, d'accord. Il faut que je vienne là. Vous voyez, il y a le barbecue. Et on a l'image d'une pin-up. Voilà. J'aime beaucoup les pin-up. Je trouve qu'on n'en voit pas énormément et moi j'adore ça. Alors attendez, je vous repose. Voilà. Voilà. Je trouve qu'elle est, elle est sympa, sauf que j'ai des doutes au niveau du visage, vous voyez, ça risque de ne pas donner grand chose. Hein. Les symboles, on les voit bien, puis franchement, ouais, ça colle super bien, j'avais pas de doute sur ça. Les symboles, si, est-ce que je pourrais me mélanger les W, les K, non, ça va, les deux. Non, c'est beaucoup de blocs, vous voyez, dans le fond. Après, on a quelques confettis à ces niveaux-là, vous voyez. Pardon, à ces niveaux-là, je disais. Ah, je ne me vois pas, voilà. Là, au niveau du barbecue, j'allais dire du barbecue, on a pas mal de confettis. Mais non, la toile est franchement sympa. Après, comme pareil, je veux tester ces différents vendeurs. Je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre. Là, qu'est-ce que c'est censé être? Vous voyez, là, on est censé voir papillon. Moi, je vois pas forcément un papillon. Je vois une tache, quoi. Donc, on verra.
On verra bien. Voilà. Je vais vous mettre les diamants sur la toile pour que vous puissiez voir à peu près les différentes couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors je vais les laver en bas. Il n'y a pas 50 000 couleurs sur cette toile. 310, il y en a un petit peu. Bon les amis, on est arrivé à 170 abonnés sur ma chaîne. C'est super. Trop contente. Je suis en train de préparer le lot pour la fête des mamans. Donc on verra, ça se précise. Alors, que je vous montre aussi. Moi, je vous avais dit qu'il y avait une feuille de route. Et c'est une 28 couleurs. Vous avez les DMC, les symboles, la quantité. Voilà, les DMC. Vous avez la petite photo ici. Petite photo d'identité de la toile. Voilà. Il va. Non, je n'ai même pas besoin de regarder vu que c'est en sachet. Je vais vous reprendre. Je vais vous montrer un peu. Hop là. Pardon. Les sachets. Ah, c'est ça, quand on n'a plus le matériel adéquat. Pardon. Quand on n'a plus le matériel adéquat. Ouais, mon matériel est cassé. Donc je fais avec. Je suis désolée les amis. Voilà. Vous voyez toutes les nuances de diamants. Je vous repose. Profitez bien du bordel. Voilà. Eh bien écoutez les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez savoir n'importe quoi que ce soit. Ou me dire quelque chose de gentil. Ou une critique aussi, vous avez le droit. Pour l'instant, ben, je vous remercie parce que je n'ai pas encore eu de critique malveillante. Au contraire, des fois on me dit, ben, ça marche, Aurie, je pense que tu te trompes, ça doit être ça. Moi après je vais vérifier et je vous dis ben oui tu as raison ou ben non parce que regarde moi j'ai vu que ça et voilà et c'est un échange assez courtois et c'est très appréciable. Voilà. Ben écoutez mes amis, je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite de passer une agréable journée, un bon week-end. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Bisous les amis, ciao ciao.